Je suis aujourd'hui en compagnie de Francis Joyon. Francis, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir à bord de votre maxi trimaran IDEC. Francis, quelles sont les sources d'énergie que vous utilisez à bord d'IDEC pour vos records en solitaire? C'est essentiellement éoliennes et panneaux solaires. On est à bord d'un bateau qui a été conçu dès le début pour se passer complètement d'énergie fossile en fait. Hein. Pour le premier record autour du monde, en fait, j'avais pu débarquer complètement le moteur et je suis parti uniquement avec ces systèmes solaires éoliens. Francis, qu'est-ce qu'une éolienne? Comment ça fonctionne? En fait, l'éolienne va tourner, transformer le vent en électricité. Pour que ce vent se transforme en électricité facilement, il faut bien choisir l'emplacement de l'éolienne sur le bateau. Hein, bon, bah là, on est sur un trimaran. Toute la partie avant est exposée au cordage, etc. La seule partie où il n'y a pas de risque de prendre des cordages dans les pales de l'éolienne, c'est tout à l'arrière. Et on a aussi travaillé l'altitude de l'éolienne, c'est-à-dire qu'on l'a mis sur un poteau, je pense qu'on doit être à 2,50 m de haut au-dessus du pont, de façon que même quand le bateau a le flotteur au vent levé, le vent ne soit pas coupé au niveau de la partie de l'éolienne qui reçoit le vent. Quelle quantité de vent pour que l'éolienne produise de l'électricité? Pour parler chiffres, disons que si le bateau va à 5 nœuds, qu'il y a 15 nœuds de vent, bon ben voilà, il a 10 nœuds de vent apparent et ça permet de produire de façon intéressante déjà avec une éolienne. L'éolienne couvre combien en pourcentage de votre consommation d'énergie? Globalement, l'éolienne va couvrir à peu près 3/4 des besoins d'électricité du bateau et les panneaux solaires 1/4. Très bien. Francis, est-ce que vous voulez bien montrer un peu comment ça se passe des pales de l'éolienne jusqu'à vos instruments? Tout à fait, oui. On y va? On y va. Alors Francis, on est devant l'éolienne. Elle tourne avec le vent. Comment ça se passe en fait après? Comment l'énergie est produite après? Ben en fait, il y a tout simplement un fil électrique qui descend à travers le support et qui rentre dans le bateau et qui va aller à un régulateur qui est au-dessus des batteries. Donc une installation ultra simple que j'ai bricolée moi-même en fait, hein, qui n'est pas complexe à faire par un particulier. On rentre dans le bateau pour voir la suite du circuit? Allez, on voit ça. Francis, nous sommes rentrés dans votre bateau, dans la coque centrale. Où est-ce que vous voyez que l'énergie rentre bien et qu'elle est bien produite? En fait, on a un contrôleur de batterie qui permet de savoir combien d'électricité on dépense, combien on reçoit, et qui permet de savoir si c'est positif, si c'est négatif. Vous avez quand même des batteries sur lesquelles on peut puiser s'il n'y a pas assez d'énergie produite. Voilà, si je dirais il y a un parc de 100 ampères de batterie, ce qui veut dire que on va dire que je peux rester autonome, si par exemple il n'y a pas de soleil et pas de vent, je peux rester autonome environ 13 heures. Ben, c'est rare sur des records qu'on n'ait pas de vent pendant 13 heures parce qu'on cherche justement les zones de vent. Les instruments que vous utilisez, est-ce que c'est quelque chose qui sont typés course ou est-ce que ce sont des instruments standards qu'on retrouve dans tous les bateaux? On a des instruments qui sont utilisés en course mais qui sont accessibles par tout le monde, hein, bien sûr. Hein. Tout ça pour battre les records en solitaire? Eh ouais, c'est la vocation du bateau, oui, c'est d'être le plus rapide possible sur les records et de participer à des courses en solitaire comme la route du Rhum par exemple. Très bien, merci Francis.